Ou pensez que ça pour apprendre en même. Venez dans le centre professionnel réuni. Nous avons plusieurs programmes études captant nous, tant que informatique, plomberie, maestro construction, électricité, cosmétologie, céramique, coutil et latrier. Adresse l'école là, ou prenez une moto en bas pompe gasoline Texaco qui n'a dossier de Haïna. Dis-le pour aller café solal, dernier palade moto à côté Colmado Bouba. Centre professionnel réuni a formé professionnel qualifié depuis 2007, diplôme non reconnaître par l'État dominicain. Pour plus d'informations, relais ou bien écrit dans 829 428 5307. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Valakay. Jeudi, c'est lundi 2 décembre. Permettre pour féliciter toutes amis fanatiques qui ont célébré anniversaire de naissance. Toute équipe là, nous mettons nous ensemble pour nous souhaiter nos bon anniversaire, bon ricotte et café. Dans mes croix, c'est toujours amis, serviteur, merci Dieu. Je vais partager avec nous quelques parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. Nous parlons en République et Dominicaine, presque 30 Haïtiens qui sont empoisonnés. Dans un jus que vous avez dans une ferme agricole en Los Bananeros, en Assoa, eh bien, moun sa ou pas mouri. Haïtien sa ou pas mouri, bien que gen un pile rime qui tape et circule, moun yo pas mouri. Et nous prenons gen chance tande et témoignage kek nan yo. Et yon nan parmi docteur et qui te prend soin haïtien. Et bien, là, on est allé ensemble avec vous, et dans l'hôpital et Taïwan, et de Assoa, et d'après ça, docteur a fait qu'on est, et gain quelqu'un haïtien, et situation yo critique, et fok yo t'ava éterné yo. Et dans le même moment, ça, et gain un groupe soldat, un groupe guade dominicain qui débarqué, et dans l'hôpital là, et qui t'a empêché docteur et même la presse pour être capable et faire travail. C'est directeur l'hôpital là qui t'a obligé intervenir et bien qui vient faire que situation t'est vienne améliorer mais Guadio et qui débarque vienne prendre haïtien yo pour capable déporter yo et remettre yo by immigration et bien une situation qui très critique au lieu et mais pour gouvernement dominicain et mener enquête pour le qui s'est passé. Parce que ce n'est pas pour la première fois. Nama a dit qu'il y a 3 Haïtiens qui étaient morts dans la question d'empoisonnement, dans un jus qui était bré dans une ferme agricole. Et hier dimanche, la même bagaille a passé. Et par une investigation, au lieu de mener investigation, et mais ils ont débarqué un problème dans l'hôpital pour être capable de déporter les Haïtiens. Et le gouvernement sans honte n'est pas utile en Haïti. Yo. Et le consulat et Haïti qui trouvait. Barahona, jusqu'à présent, il n'y a pas dit rien. Ambassade là, il n'y a pas dit rien. Personne ne peut voyager sous Haïtien dans le pays Saint-Domingue. Et surtout, nous connaissons le gouvernement qui là. C'est le gouvernement Abinadel qui est lié. C'est Abinadel qui mette les gens là. C'est Abinadel qui a dit les gens. Mais qui ça peut être capable de faire? C'est lui qui a fait l'ordre. C'est pour ça Abinadel te bay l'ordre pour être capable de révoquer Dominique Dupuy et de révoquer. Et même moun ki la kounya en tant que ministre affaires étrangères, et bien c'est un moun qui te dit, c'est un moun qui pour et pas emmerder Abinadel. C'est un moun qui pas supposé faire Abinadel fâché. Mais ça passe là, et hier dimanche là, pas un moun qui voyage, pourquoi je me dis, pourquoi y a personne, mais qui dit rien, c'est comme si c'est chien qui ont empoisonné, personne moun et pas dire pour eux, qui ça qui fait, pour qui ça haïtien a plaidé et prend poison et nan et ferme agricole en République Dominicaine. Et surtout nous connaissons une situation qui est extrêmement compliquée ensemble avec haïtiens et qui vivent dans le pays. En attendant des témoignages, quelques victimes, et nous parlons de chance de quelques docteurs et mais qui parlent prendre la parole. Moi-même, je suis grand toi et pas de samba fait. Nous faisons tout travail plus bref. Sacrifice, boulebolette. L'argent pour l'argent est compte. Femme car au bout tu vas capable brûler ma paix d'eau. Tu vas garder l'argent d'eau là, ok? Tout ça est l'argent. Crée la moins l'argent. Aïe bobo, nous faisons tout travail à garantie après preuve. Vine côté pour mettre d'eau, pour mettre dans la misère. Aïe bobo. El pane, il est la soupe car il y a un bout de jeune de l'eau. Je fais assez le jugo et depuis je vais approuver l'eau. Avec si le jugo ta bien dulce. De ahí para allá yo veo que está dulce, yo fui a cargar el jugo, para llevar para los moleros.
Entonces yo sentía que me agarró un dolor de la barriga. Yo llamaba a uno de los trabajadores, ven a alcanzarme porque ahí me cae mal. No sé si es porque yo no voy a echar uno, que me bebe ese jugo, por eso me cae mal. Entonces a uno que viene a alcanzarme, si lleva el jugo a los otros, y después se lo bebió todo, todo cae mal. Tenemos de 24 a 26 masculinos, entre ellos hay una femenina que está en pediatría con intoxicación. Ellos refieren que se tomaron un jugo, hicieron un jugo, luego de tomarse el jugo presentaron los síntomas, que son náusea, vómito, o sea, los rea, dolor abdominal. Los afectados fueron llevados a la emergencia del Hospital Regional Taiwán por personal del Sistema Nacional de Emergencias 911, que de acuerdo a la doctora Clara Fernández, las víctimas fueron dejadas sin techo. Todos se van a ingresar. ¿Van a ingresar todos? Todos, sí, ya estamos en proceso de ingreso para todos. Un niño delicado, ¿verdad?, en el área de pediatría. Y otro de 14 años que está estable. Ahora todos van a ser ingresados para hacer una observación. Ya que fue con veneno, no sabemos la cantidad ni el tipo de veneno. Tenemos una situación con la barrera, ¿verdad?, idiomática. Estamos tratando de apoyar a algunas personas que saben hablar creol. Pero hasta ahora se dan respuestas. Se están ingresando todos, como ustedes también. En medio de la labor periodística, miembros del ejército del 19º Batallón de Infantería, Fortaleza 19 de Marzo, entorpecieron la labor de la prensa impidiendo hacer el trabajo. Aunque con la intervención del director del Centro de Salud, Eduard Pérez, los medios pudieron trabajar desde ASOA República Dominicana. Para lo último, Juan Luis Vargas. ¡Séselo! ¡Pario! ¡Pario, pa! ¡Recreación fini! Kidnapping, c'est un moyen un pile gang criminel utilisé pour faire l'argent facile. Mande gros somme l'argent comme rançon pour capable libérer otage. Souvent, il y a quelques autres individus qui développaient même stratégie bandio et puis comploter pour faire kidnapper famille ou bien zami yo. Gagner individu tout qui même séquestrer propre tête yo. Ça y aurait les auto kidnapping nan, nan objectif pour capable faire l'argent sous famille yo. C'est dans sens ça. La police dans département Sud-Est arrêté dans la nuit 25 novembre 2024 là dans section communale Cap Rouge d'Or Milan. En bas côte. Qui 29 l'année, dame Silla, à complicité ménage li, arrivé planifié auto-kidnapping ça, dans après-midi, jeudi 21 novembre 2024 là, maman Kat Timoun, dormant, a expliqué pour qu'il commette Zak Silla. Pourquoi elle est là? Pourquoi l'autre monde qui t'a voyé? Mon guide en ce moment, elle est allée lundi soir, mon ami. Et moi, c'est moi au point. Après, j'ai dit la maman parce que la caille me fait plusieurs jours. Je n'ai pas de diplôme de quitter le pays là, mais je pense que ça me fait un patron. Parce que si on me prend plusieurs jours, les gens, ils savent que je vais quitter le pays là. Est-ce que je vais quand même la vie? Je vais me faire ça du tout. Pour moi, garder mon nom. Même que au patron, je t'apprends quand même parce que pour mignon, bien pour mignon, les là où t'as voué comme là, moi c'est t'as voué là avec des CPJ, je vous dépends, il est venu comme là. Je ne sais pas penser, je ne sais pas dire le père du moins. Je ne sais pas comment. La police nationale d'Haïti est déterminée pour traquer tout individu qui a commis des actes malhonnêtes dans le pays. Si tout, si là yo qui comprennent, yo capable d'organiser kidnapping dans la ville provinciale. Cherchez-le. Paris en haut. Paris en bas. Recréation finie.